Du coup, je me prépare pour l'événement de ce soir et c'est vrai que depuis hier soir, je suis un petit peu émue parce que je me dis vraiment cette marque, j'y ai toujours cru. Et il y a eu des moments où ça a été compliqué parce que ben ça s'est fait très vite. Je m'attendais pas à que ça aille aussi vite, qu'il y ait autant de personnes qui commandent, qui recommandent. Et j'ai dû apprendre aussi sur le tas le métier d'entrepreneur en fait, parce que ben j'y connaissais rien. Moi, j'avais juste envie de sortir des beaux produits et que tout le monde soit content et de faire des belles choses. Et du coup, là, d'être dans une vraie boutique, c'est bête, hein, parce que bon, maintenant, il y a plein de choses qui se vendent en ligne et tout ça, mais quand même, une boutique physique, on se dit quelque part, waouh, enfin, c'est une vraie boutique où les gens peuvent venir se promener, acheter, tester, regarder, enfin. Hyper symbolique pour moi et je suis trop fière, vraiment, je suis trop fière de moi. Voilà, je suis fière. Donc ce soir, j'ai l'inauguration à la boutique à Dubai Mall, donc la boutique qui s'appelle April. Je vous ferai des images, je vous montrerai un maximum de choses. Je vais aussi essayer de vivre le moment. Donc si je vous poste pas tout tout de suite, je vous le mettrai un peu plus tard ou voilà. Et voilà, et j'ai hâte, j'y étais hier, j'ai encore été ce matin, c'est beaucoup de travail, beaucoup de papier, beaucoup de choses, mais ça va être magnifique. Donc voilà, je suis très contente, très fière, et j'espère que s'il y a des personnes qui sont à Dubaï, vous pourrez passer ce soir à 19h à Dubai Mall. Comme je vous dis, vous êtes les bienvenus. En sachant qu'on va être à Dubaï, distribué à Dubaï et dans tous les Émirats arabes unis, Abu Dhabi, etc. etc. C'est énorme, c'est waouh! Voilà, donc j'ai essayé un petit peu les bijoux. Je me suis fait une super commande la dernière fois. Je vous avais montré chez Asparanjan. Chaque fois, je le prends. Asparanjan, donc ils ont des bijoux qui sont juste incroyables, qu'ils ont designés eux-mêmes. Vous avez vraiment de tout. Donc je vais vous montrer. Là, j'ai mis un petit peu des bagues. Je pense que je vais faire des accumulations comme ça. J'ai changé la forme de mes ongles aussi. J'ai tout le temps fait carré. Là, j'ai fait arrondi. Il y a les petites boucles d'oreilles comme ça que j'ai pris aussi chez eux. J'ai pris les colliers. J'en ai pris plein. Il y en a aussi que vous pouvez directement personnaliser. Donc voilà, il y a des choses très fines, très classe. Il y a des choses un peu plus larges. Je vais vous le montrer. Celui-ci, j'ai pris un set comme ça qui est incroyable avec le bracelet et le collier. Il y a tout ce qui est, vous savez, les petits bijoux que je mets dans les oreilles, genre les petits anneaux, les petits brillants et tout. Donc la plupart, ça vient de chez eux. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Et vraiment des bijoux genre travaillés, fins, modernes. Canon, canon, canon. Donc regardez au niveau des packagings en plus. C'est canon, ça arrive dans des petites boîtes. C'est magnifique, vous avez les petites pochettes aussi. Si vous voyagez, vous pouvez conserver vos bijoux à l'intérieur. Vous avez les petites boîtes comme ceci. Et donc là, j'avais fait personnaliser ce petit bracelet avec Nav, Thomas et Milan. Il y a plein de choses à personnaliser. J'avais fait aussi un collier avec ma date de naissance qui est juste ici. Voilà, vous pouvez mettre genre des lettres, des chiffres, vraiment ce que vous voulez. Il y a ce set que je vais sûrement porter avec le bracelet et le collier. Je vais vous le montrer. Vous avez des petites choses comme ça sur un t-shirt, c'est super beau, les petites pièces en fait. Là, on a tout ce qui est au niveau des bagues. Bon, les bagues, elles sont incroyables. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Des superbes bagues, des très fines, des un peu plus grosses. Il y a celle-ci qui est dingue aussi, regardez, elle est trop belle, toute fine. Ça, c'est pour les oreilles, donc il y a plein de petits bijoux comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux à chaque fois, pas obligé d'assortir. Celui-ci, il est trop beau. Niveau des bracelets, petit bracelet graines de café. Pareil, celui-ci, je l'ai fait personnaliser, donc j'ai mis l'initiale de mon fils, un M, avec le gros fermoir comme ça, qui est incroyable. Pareil, ils sont ajustables, hein. Donc vous en faites pas, il y a pas mal de bagues aussi qui sont ajustables. Celle-ci, elle est trop trop belle. Là, j'ai fait ce petit médaillon avec Thomas, moi et Milan, qui est super joli. Il est serti. Et ces boucles d'oreilles qui sont dingues aussi. Il est trop joli avec le collier et le bracelet qui est assorti. Je l'ai ajusté à ma taille. Et les petites boucles d'oreilles, je pense que je vais porter celle-ci pour l'événement. Elles sont trop trop belles. Voilà, donc si jamais ils ont aussi une boutique à Marseille, à la Valentine, je vous mettrai l'adresse directement. Et sinon, vous pouvez les retrouver sur leur site que je vous ai mis en épingle. Sachez que, bon, là, c'est même pas 10% de tout ce qu'ils ont, hein, c'est juste ma petite sélection que j'ai commandée.
ils ont des milliers de références, vraiment. Donc voilà, prenez votre temps, le site est super bien fait. On est plus tranquille. Ça passe pour moi. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Je suis trop contente. Bon bah bienvenue. Non, jamais de la vie. Go, go, go. Yeah,